Dernier réglage qu'on va voir, c'est le réglage Image Layers. Alors, je vais le supprimer ici. Je vais prendre cette photo-ci. On voit que mon image est réellement trop claire. Et donc, on va prendre un ajustement qui est Image Layers. Et je vais prendre cette image et je vais venir la remettre carrément dedans. Donc, jusque-là, il ne se passe rien, mais n'oubliez pas qu'on a, comme dans Photoshop, les modes de fusion où on peut faire un multiply et donc à ce moment-là décider de quelle intensité on a besoin pour, je vais dire, rendre cette image plus foncée. Donc ça, c'est une des méthodes. Si on peut la rendre plus foncée, on peut également, si on va en screen, la mettre plus claire. Donc si on a une image trop foncée, le fait de la doubler l'image et de la mettre en screen va éclaircir notre image. Donc ça c'est une chose, mais faites très attention ici, c'est que le crop doit absolument avoir été fait avant l'image, parce que sinon ça devient un peu catastrophique. Ou alors on fait l'image, on l'applique, et une fois que c'est appliqué, à ce moment-là, on recroppe l'image. Mais si maintenant je m'amuse à cropper l'image ou des choses comme ça, hein, donc en plus cette image ici, je peux la modifier, d'accord? Et on peut soit bloquer ou pas l'aspect ratio. Donc ce qui veut dire que si je ne la bloque pas, voilà ce qui va se passer. Ok? Donc là, je diminue réellement ça. Si je la bloque, ça veut dire que si je bouge ici, bah, toute l'image le dessus, enfin la hauteur et la largeur est bloquée. D'accord? Donc, un reset. Et donc, soit je la mets en avant-plan, soit je la mets en arrière-plan. Un autre objectif qu'on peut évidemment se servir de cette image layers, c'est pour faire du DRI. Donc si on a deux ou trois images avec un bracketing différent, avec des expositions plus 1 ou moins 1, on peut venir appliquer l'image la plus claire et évidemment grâce au masque, venir éditer mon masque qui est ici. Donc je prends à ce moment-là un masque de luminosité. Voilà. Si j'avais deux images, je décide. Voilà, à ce moment-là, mon masque, tout ce qui est déjà plus foncé dans l'image n'est pas affecté. Je n'affecte que ma couleur la plus claire. Voilà. Il n'y a que le plus clair qui est affecté par mon image. Donc c'est valable pour une seule image, mais si on a donc trois bracketing différents, donc une image avec trois expositions différentes, on peut évidemment les cumuler comme ça grâce à cette fonction d'image et faire du DRI sans aucun problème à l'intérieur. Attention quand même que ce programme, si les images ne sont pas exactement prises sur un pied et que tout n'est pas exactement, enfin, il y a eu un léger décalage, ce sera à vous à caler l'image pour qu'elle soit réellement tip-top.